bien, on va démarrer dans une minute, avec 5 minutes de retard. Tout d'abord, bienvenue à toutes et à tous. C'est un plaisir de vous voir rassemblés autour de nos invités aujourd'hui, que je vais vous présenter rapidement, parce que vous les connaissez de toutes les manières. Kamel Daout, dont vous avez lu plusieurs ouvrages, entre autres ceux parus en Tunisie. Yemen Manei, dont vous venez de lire probablement Bel Abim, qui vient tout juste de paraître au début du mois de septembre. Alors, Kamel Daoud est publié par Serres Éditions, et c'est Karim Bensmaïl qui est là pour représenter Serres Éditions, qu'il dirige depuis plusieurs années. Et puis, Yemen Manei est publié par Elizad, qui est représenté ici par Elisabeth Deldoul, qui édite, d'ailleurs, qui a édité pratiquement tous les ouvrages de Yemen Manei avec beaucoup, beaucoup de succès. Nous aurons peut-être l'occasion d'en parler tout à l'heure. Comme vous pouvez le voir, notre problématique, c'est écrire et éditer en français en Tunisie. On va essayer de discuter de cela. On va d'abord faire un tour de table en essayant d'être efficace, de vous donner de l'information, et puis en nous écoutant les uns des autres tout à l'heure pour avoir une discussion aussi longue qu'elle puisse être. Nous devrons terminer à 12h15. Et pour commencer notre tour de table, je voudrais poser une question à Kamel Daoud, qui vit une expérience originale, c'est celle d'être un auteur publié sur le Maghreb, publié en Tunisie et publié également en France. Et c'est une expérience assez originale qui vient en plein cœur de notre réflexion aujourd'hui. Donc, écrire, puis être édité en Tunisie, comment est-ce que vous vivez cela? Alors, merci, bonjour. La question s'est posée pour moi en tant qu'écrivain très tôt. C'est l'accès aux livres. J'avais moi-même de la difficulté à accéder aux livres durant ma jeunesse. Le livre coûte trop cher, surtout quand il est imprimé, édité ailleurs, c'est-à-dire en France. Donc la question qui s'est posée pour moi par la suite, c'est celle qui s'est posée pour mes aînés, c'est-à-dire on est écrivain algérien, tunisien ou marocain, on est édité en France, le livre paraît, est fabriqué et vendu par des réseaux en France, il revient à un coût très, très important en Algérie ou en Tunisie, et donc ça réduit encore plus la visibilité et la lisibilité de l'écrivain local, enfin l'écrivain qui vit dans nos pays, au Maghreb. Et pour moi, au-delà du fait économique, qui est le propre, enfin qui peut, une question qui est traitée par les éditeurs, c'est surtout la question du sens. Quel sens a le fait d'écrire et de ne pas être lu par les siens? Pas pour des raisons de reconnaissance immédiate seulement, mais je le dis souvent, autant l'amitié, on a besoin autant de l'amitié que de l'adversité pour écrire, pour pouvoir produire du sens ou prétendre produire du sens. Donc être écrivain, être édité ailleurs, être visible, mais ne pas être lu par les siens, ça ampute un petit peu, à mon avis, à mon humble avis, ça ampute un petit peu cette vocation d'un sens qui lui est essentiel. Et en tant qu'écrivain, j'ai eu à participer à des tables rondes, à des ateliers, à des débats, à des dossiers, à un questionnement sur le fameux rapport nord-sud, la circulation des livres. Et l'idée, elle est venue avec mon éditeur algérien. Je me suis dit, à mon humble niveau, qu'est-ce que je peux faire pour garder de la visibilité, de la lisibilité en Algérie. Et ce n'était pas un acte volontaire, c'est venu accidentellement. Meursault contre enquête, le roman a été édité d'abord en Algérie, après en France, et ça permet une grande lisibilité en Algérie. Et par la suite, on s'est dit, pourquoi ne pas proposer aux éditeurs français cette solution-là. Je garde mes droits maghrébins. Je préserve mes droits maghrébins. C'est voilà pour les trois livres qui ont suivi, pour les deux prochains qui vont suivre. Donc je préserve mes droits maghrébins que je cède à des éditeurs en Tunisie, en Algérie, et en attendant de trouver un éditeur au Maroc. Et ça permet la fabrication et l'édition et la diffusion du livre à coût plus réduit. Je ne suis pas une institution, je n'ai pas les moyens de penser en ces termes-là, mais je pense que c'est une solution qui est efficace et qui peut fonctionner. Deuxième point, je close sur ça. Un grand malheur fait que pour pouvoir venir en Tunisie avant-hier, il fallait que je passe par Paris. C'est vous dire qu'il n'y a pas seulement les auteurs, les livres qui circulent mal à l'horizontale, mais même les auteurs. C'est trouver un livre, le livre d'un Algérien et le faire éditer en Tunisie, c'est une aventure, c'est une résistance, bien que le mot soit dégradé par l'usage. Essayer d'encourager cette circulation que je peux qualifier d'horizontale entre l'édition algérienne, l'édition marocaine et l'édition tunisienne. On parle souvent du Maghreb comme fantasme.
comme quelque chose qui n'existe pas, comme défaut. Le Maghreb par défaut, le Maghreb par le vide. Mais on n'arrive pas à le construire, même nous-mêmes. On le reproche au régime, mais même nous-mêmes, nous n'arrivons pas à construire ce Maghreb. Les journaux ne circulent pas, c'est le journaliste qui parle. Les éditions ne circulent pas, les livres ne circulent pas, les auteurs ne circulent pas, les mémoires ne circulent pas. Nous ne savons rien. Par exemple, si vous interrogez un Algérien sur qu'est-ce que le Figaro, le Monde, qu'est-ce que Valeurs Actuelles, Le Point, il sait qu'est-ce que c'est. Citez-moi 4 journaux marocains importants. Non. Et je parle des élites. 4 journaux tunisiens importants pour un Algérien. On ne le sait pas. Nous ne connaissons pas. Nous remplaçons cette méconnaissance par l'utopie de la fraternité. Khawa khawa, on est tous frères, etc. Moi, ça me désole. Mais bon, on ne va pas aller sur ce discours-là. C'est sans fin, bien qu'il soit justifié. Mais au niveau de l'édition, personnellement, je plaide cette cause auprès de beaucoup d'écrivains que je croise, des écrivains maghrébins qui sont installés ailleurs ou qui ne le sont pas, qui sont édités ailleurs, qui connaissent le succès. Et je leur dis, d'une manière très crue, pour parler crûment, ça nous avance à quoi? Qu'est-ce qu'on gagne? On gagne 1000 ou 2000 euros de plus par rapport à un livre qui est édité dans son pays d'origine, qui est lu par, entre guillemets, les siens. Je crois que c'est important. Je crois que ça permet de livrer. Je donne juste une mesure. Un roman édité en France qui revient en Algérie, c'est à peu près 4000 dinars. Alors, je traduis, ça fait 20 euros dans un pays où le salaire moyen est de 250 euros. S'il est édité sur place, il coûte 700 dinars, c'est-à-dire 3,5 euros à peu près, pour un salaire de 250 euros. Donc, les choses sont dites mieux que ce que je dis maintenant. Très bien. On va parler de logiques économiques et éditoriales avec Karim Ismail et Elisabeth Daldoul dans un instant. Mais nous allons écouter également l'expérience singulière de Yamin Mania, qui vit en France et qui a un rayonnement remarquable en France, mais qui est édité en Tunisie par Edizad. Là aussi, c'est une expérience originale. Alors, merci à tous d'être présents. Je suis vraiment très honoré de partager cette table ronde avec vous. Oui, j'ai une expérience assez singulière. J'ai eu la chance de rencontrer Elisabeth à la Foire de Livres de Tunis il y a plus de 10 ans. Et en fait, on a tout de suite vu qu'on avait des atomes crochus, qu'on avait la même vision des choses, c'est-à-dire un constat sur la situation du livre en Tunisie qui méritait la lutte, le combat, qui méritait qu'on s'investisse. Corps et âme dedans sont vraiment les aspects financiers. C'était vraiment une envie de rendre le livre désirable dans les mains tunisiennes, de prouver qu'à partir de Tunis, on était en capacité de fabriquer un bel objet avec un beau contenu. J'ai commencé l'expérience de publication avec elle et j'en suis aujourd'hui à mon 4e roman. On a eu du succès ensemble. Elisabeth a eu du succès aussi avec d'autres écrivains de la maison. Et le succès le plus notable, c'est quand même le Goncourt du premier roman qu'on a eu au mois de mai dernier. Et donc là, c'était la reconnaissance qu'à partir de Tunis, on pouvait démontrer à la scène culturelle française, qui parfois peut être un peu difficile d'accès et qui peut même des fois être taxée de snobisme vis-à-vis de ce qu'on peut appeler la francophonie. Et ben, on a réussi à démontrer qu'à partir de notre pays, on était en capacité de proposer une œuvre culturelle extraordinaire. Merci Yamin. On va écouter donc, comme promis, les éditeurs. On commence par Elisabeth Daldoul, qui va nous parler d'une expérience originale, tout en nous ramenant également vers le cœur de notre discussion, c'est-à-dire éditer en français à partir de la Tunisie. Oui, merci Hatem. C'était un défi quand j'ai démarré la maison d'édition. Donc Elisade, je l'ai créée en 2005. C'était un défi, pas tant parce que je publiais en langue française. Nombre de mes confrères et Karim depuis le CRS, depuis de longues années, publient en langue française. Donc j'arrivais pas comme ça sur un terrain vierge. Et puis la langue française est quand même une langue. Il y a des auteurs qui écrivent, donc forcément, s'ils écrivent en langue française, on est là pour les accompagner. Et puis ce qu'on oublie aussi, enfin, très souvent, on relie la langue française à la colonisation, certes,
Mais la langue française a été enseignée avant la colonisation en Tunisie. Donc cette présence, quelques années juste avant que les Français arrivent. Donc cette ouverture d'esprit, elle est dans, je dirais, dans les gènes même des élites, en tout cas depuis de nombreuses décennies. Publier en langue française en Tunisie, ça étonne toujours parce que on se dit c'est la langue arabe, la première langue, la langue maternelle. Mais c'était aussi une évidence. Et puis je trouve que aujourd'hui, toutes les contingences historiques, on s'en est détaché, et qu'aujourd'hui, les jeunes auteurs écrivent en français, voire en anglais. On me demande de plus en plus de publications en langue anglaise. Donc pour remettre le français dans son contexte, pour moi la question, parce que derrière la question pourquoi éditer en français sous-tend dans une langue, dans la langue du colonisateur et dans une langue en défection, quoi. Mais pour moi, elle ne l'est pas, même si on sait que l'apprentissage du français est peut-être plus compliqué aujourd'hui. Mais malgré tout, ça reste une langue économique et de nombreux écrivains écrivent en langue française en Tunisie. À cela s'ajoute, pour moi, éditer en français, c'est aussi... c'est-à-dire que la langue française, surtout dans nos pays... très vite, j'ai eu le souhait de publier des auteurs de l'espace francophone. Parce que cette langue française, et sûrement d'autres langues, mais je parle de celle que je manipule au quotidien, en tout cas dans les textes que je publie, cette langue française transporte avec elle... une diversité de cultures qui, pour moi, est le sens de la maison d'édition. Et c'est ce que je veux, c'est cette ouverture. C'est-à-dire que la langue française, elle est mêlée ici. Il y a le rythme de la langue arabe, il y a la culture tunisienne pour les auteurs tunisiens. Je publie un auteur mauritanien, Beyrouk. On sent la voix du poète du désert. Et c'est en français, mais derrière, ça véhicule tant de culture et de diversité que je trouve que c'est une langue magnifique parce qu'elle nous emmène dans des contrées très différentes. On sait que la langue française, elle est présente sur 5 continents. Et moi, c'est ces voyages-là que la langue française me permet parce qu'elle est nourrie de toutes les langues, en fait, des langues maternelles et puis aussi des dialectes. Vous lisez un Mabankou, vous êtes au Congo, quoi. C'est en français, mais c'est le Congo qui est là, présent. Et voilà pourquoi j'ai choisi d'éditer en français. Merci beaucoup. On continue avec Kelly Mansmarine sur les logiques éditoriales et également économiques. Et puis on reviendra vers les auteurs tout à l'heure pour poser la question de leur rapport à la langue française. Alors, bonjour. Éditer en langue française, c'est très vaste. C'est très vaste, ça recouvre plusieurs enjeux. Je voudrais simplement d'abord corriger une impression qu'a déjà donnée Kamel Daoud hier dans son intervention et aujourd'hui aussi, qui est celle de, garder... les droits pour le Maghreb, c'est pas grand-chose, c'est 4 sous, c'est absolument faux. Garder les droits en langue française pour un auteur, et surtout un auteur à succès comme lui ou comme Leïla Slimani, c'est beaucoup d'argent. C'est beaucoup d'argent, devises, ainsi de suite. Et a priori, et jusqu'aujourd'hui, ça fait plus de 30 ans que je fais de l'édition, la plupart des auteurs du Maghreb refusaient de le faire. Nous avons été obligés pendant toutes nos carrières, à aller en France pour acheter les droits de, je ne vais pas les nommer, mais de tous nos grands penseurs, de tous nos grands écrivains sur les 3 pays du Maghreb. Donc c'est un acte important, militant, innovant. C'est la première fois dans ma carrière que quelqu'un fait ça. Donc je voudrais vraiment le remercier, lui rendre hommage. Il ouvre une avenue qui met... tous les auteurs d'essais ou de littérature devant leur responsabilité
par rapport à la lecture de leur travail dans leur pays. Quand vous êtes un auteur maghrébin, que vous n'êtes pas lu par les maghrébins, ça pose un problème énorme, que personne n'a voulu regarder dans les yeux. Kamel Daoud, peut-être parce qu'il vient du journalisme, et d'un certain journalisme militant, a ouvert cette brèche. D'autres brèches sont ouvertes, évidemment, par d'excellents éditeurs, comme son éditeur en Algérie, qui finalement a d'abord publié et fait connaître, mais il n'a pas quitté son éditeur algérien, ou par des gens comme Elisabeth, qui ont fait un travail aussi pionnier et très courageux. Donc voilà pour le côté économique lié à l'achat de droits et aux droits d'auteur. Pour le reste, vous savez, l'édition, à quelques rares exceptions près dans le monde, n'est jamais une histoire de gros sous ou d'économie. C'est une histoire de culture, de changer la société où vous êtes et d'apporter votre contribution à cette société. Notre travail est peu visible, nous, éditeurs. Nous travaillons à bruit réduit. Nous ne sommes pas des journalistes. Nous ne faisons pas de films. Il n'y a pas d'affiche dans la ville quand nous sortons un livre. Et généralement, les opérateurs politiques ne s'intéressent pas beaucoup à nous parce que, évidemment, il y a moins de bling-bling, il y a moins de visibilité, il y a moins d'immédiateté. Cependant, notre travail influe sur la société à long terme. Lorsque nous mettons un livre en français dans une maison tunisienne, eh bien, il va être lu par la personne qui l'a acheté, il va sans doute être lu par ses enfants ou ses petits-enfants. Donc c'est un impact à long terme. En tant que Tunisien sadikien qui vient de ce pays et qui avons vécu désormais 60 ans, je vois l'évolution de mon pays, je vois l'évolution des langues, je vois l'évolution et je vois aussi l'impact et l'instrumentalisation des langues depuis une dizaine d'années, depuis que le débat politique existe vraiment dans notre pays. Jusqu'ici, franchement, la langue française n'a jamais été un problème. Moi, durant ma jeunesse, jamais je n'ai entendu dire que la langue française l'ort le mustamr ou ainsi de suite. C'est venu plus tard et de manière totalement pas naturelle. Nous sommes apaisés, moi je pense, en Tunisie, pour des raisons historiques, nous sommes plus apaisés avec l'expérience de l'occupation française et avec ce qu'ils ont laissé, c'est-à-dire principalement, enfin, entre autres, cette langue que nous sommes appropriée, que nous avons adoptée, et que nous avons adoptée, comme disait Elisabeth, même avant l'arrivée de l'occupation française. Et j'essaie de, calmement, sans m'énerver, me battre contre l'instrumentalisation. Depuis quelques années, de temps en temps, quand quelqu'un veut nous attaquer, nous, éditeurs francophones, ou nous qui tenons à garder un pied dans la sphère francophone tunisienne et qui insistons pour que cette sphère continue d'exister, malgré plusieurs difficultés, alors évidemment, je peux vous donner toutes les versions. Hein. Vous avez Hezb França, vous avez... Item France, voilà. Et il y en a plein d'autres. Hein. Ils ont changé sur la truc. Un jour, il faudra que je fasse un dictionnaire. Mais ça ne me fait pas peur et je lutte contre ça parce que moi, je suis un Tunisien multilingue et souvent, ceux qui me font ce reproche, ce sont des gens qui ne parlent qu'une langue et qui ne lisent qu'un livre. Et tout ça pour vous dire que l'enjeu économique est pratiquement inexistant. En Tunisie, éditer en Tunisie, si vous arrivez à équilibrer vos comptes, vous êtes un grand éditeur. En revanche, c'est une grande satisfaction. C'est une grande satisfaction, d'abord, parce que vous êtes
enfin moi j'estime participer à améliorer mon pays, à enrichir mon pays, en maintenant et en me battant pour une langue française, et je l'ai dit tout au long de ces deux derniers jours, notamment à nos amis et partenaires français, je leur posais la question de savoir, et vous, pourquoi vous voulez que nous lisions en français ? Qu'est-ce qui vous attache à la francophonie ? Pourquoi vous voulez maintenir la francophonie ? Parce que finalement, on n'entend jamais ça. Nous, on est tout le temps interrogés sur pourquoi tu t'attaches à la langue ? Pourquoi tu tiens à la francophonie ? Pourquoi tu veux écrire en français ? Ce n'est pas ta langue, ainsi de suite. On est obligé tout le temps de justifier, de dire pourquoi nous tenons à cette langue. En revanche, nos partenaires du Nord, tenants de la francophonie, centre de la francophonie, je parle de la France, il faut les obliger à nous dire, par exemple, cette magnifique organisation sur l'édition en langue française, ici aujourd'hui, c'est l'occasion de savoir. Bon, vous organisez ça, mais hier, je voyais les gens du ministère des Affaires étrangères qui, pour la première fois, s'occupent d'édition française en langue française. Et j'aurais posé la question, ça les a interloqués, on n'a jamais posé la question aux partenaires français. Pourquoi vous vous y intéressez ? Et donc il faut les obliger à dire cela. Pourquoi ? Parce qu'on s'aperçoit que le français, pour nous, maghrébins, est important pour certaines raisons qui sont différentes des raisons qu'eux, ils ont. Et ça, c'est la plateforme à partir de laquelle il faut commencer. D'accord ? Nous ne sommes pas des quémandeurs. Nous ne venons pas ici dans votre sillon. Nous ne sommes pas, justement, Hezb France, celui-là, je l'ai oublié. Et donc, d'abord, dites-moi, vous, pourquoi vous voulez que j'édite en français ? Moi, je vous dirai pourquoi, moi, la langue française est importante. Et la langue française est importante pour moi parce que c'est un enjeu civilisationnel. Parce que la langue française, c'est plus que la langue française. C'est une histoire, ce sont des principes, c'est une philosophie. Et je serais très triste si mes enfants et les enfants de mes enfants s'en détachent. Hier, un éditeur québécois, je crois, a dit la langue française, elle s'apprend, elle s'acquiert, et la langue anglaise, elle s'attrape comme un virus. Parce que la langue anglaise, vous ne pouvez pas y échapper. De plus en plus de nos jeunes, moi, il y a la semaine dernière, j'ai rencontré deux jeunes pour la première fois de ma vie, qui parlait que le tunisien et l'anglais. Donc là aussi, c'est une bataille. C'est un trésor, il faut le garder, c'est tout. Et voilà, j'espère ne pas avoir été trop long. Non, au contraire, nous allons continuer et ensuite nous allons avoir un auditoire plus actif pour une petite demi-heure. Alors je voudrais te poser la question, pour rester dans le sujet justement, écrire en français. Et c'est une question bateau, je sais, mais en même temps, est-ce que le français, vous le ressentez comme une langue maghrébine ? Comment vivez-vous votre écriture en français ? D'accord. Alors, c'est la question qui est posée enfin, tellement de fois. Et je ne sais pas. Personnellement, au début, d'abord, c'est vrai que c'est une question qui heurte. Parce qu'on me pose plus souvent la question de pourquoi j'écris en français que qu'est-ce que vous avez écrit en français ? Je pense qu'il y a, un correctif à apporter. Comme Algérien, je suis passionné, mais ma réponse est passionnelle. Donc au début, je répondais avec des analyses en parlant de l'héritage, de l'histoire, de la colonisation, etc. Et puis au bout de certaines années, j'ai compris que j'étais en train de me justifier, sans le savoir, sans le dire, sans me l'avouer à moi-même. Et parce que finalement, la réponse, elle est simple. J'écris en français parce que j'en ai envie, tout simplement. Parce que je le désire, parce que j'ai envie d'écrire en français, parce que cette langue me permet une expérience du désir, du rêve, de l'imaginaire. Et dans la tradition algérienne, je parle de la tradition algérienne, c'est un peu difficile, parce qu'il est dit que cette langue, c'est la langue du colonisateur, autant que pour la Tunisie, et nous sommes congelés, nous qui sommes nés après la guerre, nous sommes congelés dans ce statut de décolonisé permanent. On m'interroge souvent comme si je venais de déposer les armes, alors que je ne les ai jamais prises. Je n'ai jamais fait la guerre. Je suis au présent, je ne suis pas au passé. Chaque fois que Benjamin Stora écrit quelque chose à propos de l'Algérie en France, on me téléphone pour m'interroger sur ce que je pense. Mais je n'ai pas fait la guerre.
et j'ai le droit de dire que je n'ai pas fait la guerre. Donc, cette langue, elle a été vécue par mes aînés comme une langue de violence, une langue de domination, une langue de caste, une langue de dépossession quelque part. Et je peux comprendre le rapport à cette langue-là. Mais moi, j'ai découvert le français autrement. Les premiers livres que j'ai lus, les premiers livres érotiques, c'était en français. C'est en français que j'ai découvert qu'est-ce que la nudité, comment embrasser, qu'est-ce que l'amour. Et c'était un univers caché, c'était un univers clandestin. Donc c'est une langue du désir pour moi. Pour moi, Descartes est une femme. Je veux dire, c'est vraiment quelque chose qui est de l'ordre de l'intime, elle n'est pas de l'ordre de l'histoire. Donc répondre à cette question-là, on est presque assigné à des réponses. J'écris en français parce que c'est un héritage, parce que c'est un butin de guerre, alors que pour moi, ce n'est pas un butin de guerre, c'est un bien vacant. C'est quelque chose qui est de l'ordre de l'intime, c'est moi qui le vis. Donc, il y a tout un livre à écrire sur la quête de la véritable réponse à cette question-là. Pourquoi j'écris en français? Et peut-être s'amuser en parodiant quelqu'un d'autre très connu, un maghrébin qui écrit en japonais. Et comme ça, on peut mieux prendre la distance de l'humour pour mieux enquêter sur cette... non seulement sur les raisons pour lesquelles j'écris en français, mais sur les réponses et les clichés qui traversent cette réponse-là, qui enferment cette réponse-là. Alors, j'écris en français parce que j'en ai envie, parce que c'est savoureux, parce que c'est délicieux, parce que ça me permet de rêvasser, de rêver, c'est de l'ordre de l'imaginaire. Je n'ai pas à me justifier. Je n'ai pas à répondre, d'ailleurs, à cette question-là. Je suis un écrivain de langue française. Et je ne suis même pas un écrivain francophone. C'est cette langue qui est là, que j'utilise. Et une langue devient en soi universelle à partir du moment où elle est investie par le désir. À partir du moment où elle est investie par l'imaginaire, bah, désormais, elle est universelle. Je lis un écrivain japonais traduit en français. Et même si c'est un écrivain japonais, c'est un écrivain qui écrit en français. Cette langue, elle est là parce qu'elle fait partie de mon histoire personnelle d'abord, et avant qu'elle ne fasse partie de l'histoire collective. Donc, pour répondre à la question, je n'ai pas envie de répondre à la question. Merci beaucoup. On va voir comment Yamin Maner va répondre à la question sans répondre à la question. Et puis après, nous allons discuter plus largement ensemble. En fait, je ne peux qu'abonder dans le sens de Kamel, parce qu'on essaye d'essentialiser un petit peu cette démarche de... ranger les écrivains dans des cases, de trouver des grandes raisons pour l'usage de cette langue. Et on oublie aussi l'expérience individuelle de chacun qui ramène une personne à s'exprimer dans une langue ou dans une autre. Moi, quand j'ai commencé à écrire, je ne me suis pas posé la question. En réalité, j'ai commencé très spontanément à écrire en langue française. Et en plus, j'étais en Tunisie au moment où j'ai commencé à écrire mon premier roman. Et j'écrivais des histoires tunisiennes, parce que moi, ma source d'inspiration principale, c'est mon pays, toute l'expérience forte qu'il a vécue avec les années de despotisme de Ben Ali, la révolution, les élections. Tout ça, c'est une matière pour l'artiste, mais c'est une matière qui n'est pas forcément linguistique avant tout. C'est une matière sociale, c'est une matière artistique. Et après, on ne se pose pas forcément la question. Moi, je n'ai pas théorisé, mais après, on me pose la question et je suis obligé de rentrer dans les théories les plus fumeuses. Mais en fait, j'occulte aussi mon expérience individuelle. Si je vais chez un psychanalyste, par exemple, il va me dire, écoute, écrire en français pour toi, c'est une façon de tuer le père, parce que mon père est universitaire de langue arabe. Donc il va me donner une raison qui est complètement liée à ma singularité en tant qu'individu. Il va me dire, voilà, tu avais envie de t'épanouir dans une autre sphère, et c'est une façon de l'an'aïch à figer le bébé abi, comme on dit. Après, une autre expérience que j'ai eue, c'est vraiment, j'ai eu la chance d'aller en France quand j'avais 15 ans, et de voir à quel point le livre est un objet de désir dans les mains des personnes qui lisent. On lit dans les parcs, on lit dans les transports, dans les trains, il y a énormément de librairies. Et donc, en fait, on se retrouve à consommer le livre de langue française. Il y a beaucoup, beaucoup de traductions. La langue française est la langue qui traduit le plus. Donc, le monde est à vos pieds. J'ai lu Gabriel García Márquez, lu Sepúlveda, j'ai lu des auteurs, Murakami, j'ai tout lu en langue française. Et donc, en fait, à un moment... eh ben, j'ai commencé à écrire sans théoriser. Je suis un amoureux de la langue arabe, j'adore cette langue et je continue à lire
en langue arabe, et je trouve qu'il n'y a pas à se disputer la place. Il y a des très très beaux auteurs de langue arabe, et je n'ai pas forcément envie de venir sur leur terrain, et ils ont leur espace, nous on a le nôtre, et comme disait Kamel, on peut être tunisien et écrire en japonais, et figurez-vous, j'en connais un Tunisien amoureux du Japon qui a appris le japonais et qui écrit des poèmes en japonais. Alors qu'est-ce qu'il faut faire ? Est-ce qu'il faut le classer ? Quelle case on pourrait lui inventer, celui-là ? Donc le samouraï tunisien, donc du coup, non, en fait, on est des individus avant d'appartenir à un courant, avant de représenter, d'être les porte-voix d'institutions. On est avant tout des individus et on raconte, on est des romanciers, on raconte des histoires singulières. Et on utilise une langue pour émouvoir, mais la langue est une monture. La langue, ce n'est pas la finalité. La finalité, c'est créer de l'émotion à travers la littérature. Et toutes les langues vivantes, et même parfois mortes, parce que moi j'adore les maximes en latin, par exemple, j'adore apprendre des trucs. Je trouve que c'est très drôle de voir quelle est la portée de cette pensée et de cette langue. Donc l'essentiel, c'est l'émotion qui va être provoquée par nous, et la langue est une monture, comme peuvent l'être d'autres axes de l'art. Par la peinture, on ne demande pas à quelqu'un est-ce que tu peins en langue française, est-ce que tu peins en langue arabe. C'est la création de l'émotion. On ne demande pas à un peintre avant de peindre son tableau, s'il a pensé en langue arabe, s'il a pensé en langue française. Non, en fait, il couche son émotion et nous, on le fait. Bon, il y a un intermédiaire entre nous et l'émotion du récepteur qui est la langue, mais ce n'est pas forcément ça l'essentiel de ce qu'on a envie de produire ou de défendre. Merci, Yamin Manari. Je pense que nous avons répondu, en tout cas, quatre points de vue sur écrire en français en Tunisie, éditer en français en Tunisie. On va essayer de faire un tour de salle maintenant, puis revenir à nos quatre intervenants. Alors, je ne sais pas si quelqu'un voudrait commenter ou si quelqu'un voudrait poser une question. En tout cas, nous avons 20 bonnes minutes pour le faire et on va essayer de le faire, s'il vous plaît, en essayant de ne pas monopoliser la parole. J'ai des petites questions. Yahyous, je suis de la diaspora tunisienne installée à l'étranger. La question, je ne suis pas d'accord avec vous concernant éditer au Maghreb ou en Europe. Moi, je pense que c'est un problème de visibilité. Moi, je suis entre le monde de finance, d'économie et de financement, et entre la culture. Le problème, ce n'est pas question d'argent. L'argent, il existe. Moi, je ne suis pas d'accord avec vous. D'ailleurs, il y a beaucoup, beaucoup de fonds qui ont été mis à la disposition de la Tunisie, des fonds de l'Allemagne, de la France, de l'Union européenne, de les Pays-Bas. Mais le problème, c'est le problème de visibilité. Moi, je vois les écrivains et surtout, c'est-à-dire les gens de la culture, sont dans leur monde. Ils n'aiment pas entrer dans le domaine des finances et de voir, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de financement. On n'arrive pas à dépenser cet argent en Tunisie. C'est un problème de visibilité. Et c'est un problème aussi de transparence, carte sur table. Vous m'avez dit question d'argent, etc. Mais vous avez oublié aussi, vous avez une population cible, c'est la diaspora maghrébine, c'est-à-dire tunisienne, algérienne et marocaine, qui sont, c'est-à-dire maintenant, qui ont un certain niveau très élevé et qui veulent avoir une certaine visibilité de ce que se passe dans leur pays. D'ailleurs, le sujet qu'on traite en Tunisie, ce n'est pas de la même façon qu'on traite, c'est-à-dire en Europe. Par exemple, la religion, la femme, le contexte change. Et, je termine, c'est un problème aussi de visibilité pour la diaspora. On ne vous connaît pas, d'accord, des livres. Est-ce que vous avez fait un effort ? Non, vous n'avez pas fait un effort. Concernant, deuxièmement, moi, j'ai participé à plusieurs, c'est-à-dire événements concernant la francophonie. La francophonie, c'est un espace de, on m'a dit, de prospérité. OK, prospérité pour qui ? Un jeune écrivain, il trouve de grandes difficultés concernant la mobilité.
Moi, je suis libre, mais un écrivain ne peut pas venir en Europe facilement et aussi profiter des fonds que l'Union européenne, la Commission européenne, a mis pour la culture. C'est ça le problème. Ce n'est pas un problème d'argent ou un problème. Moi, je vois que c'est un problème de visibilité et c'est un problème de mobilité des jeunes écrivains. Si nous sommes francophones, OK, mais j'ai terminé. Il faut traiter aussi les jeunes écrivains sur le même pied d'égalité que les jeunes européens. Merci. Merci beaucoup. Nous prenons une deuxième intervention. Mourad Benchir, je suis réalisateur. J'écris dans trois langues, la langue tunisienne, plus que l'arabe, en français et en italien. Mais j'écris des scénarios. Et ma propre expérience avec les langues est... ce que je remarque dans cette expérience, c'est ma projection dans ce que j'écris. Il y a un rapport beaucoup plus fusionnel avec la langue tunisienne. Je ne peux pas écrire un dialogue pour un Tunisien en français. Il faut que je parte dans mes scénarios en écrivant les dialogues des Tunisiens en tunisien. Si c'est des personnages italiens, ça va être directement en italien. Si le personnage est français, ça va être directement en français. Je suis incapable de traduire ces désirs dans une autre langue. Et je trouve que je prends de la distance en mettant un vocable français dans la bouche d'un Tunisien qui parle avec un Tunisien. Ça, c'est mon expérience de cinéaste qui écrit. Et avec cette distinction aussi très importante dans la vie de tous les jours, si on m'insulte en français ou en italien, très souvent j'en ris et j'en rigole. Si on m'insulte en arabe, c'est viscéral, ma réaction est viscérale. Et ça fait une sacrée différence par rapport à la manière dont j'appréhende les langues. Donc quand j'ai besoin de distance, quand j'ai besoin de poser même sur ma propre société et mon propre travail un regard analytique, je prends de la distance, j'écris en français. Et ça m'aide énormément d'écrire à ce moment-là en français. Et là, je finis de parler de ma propre expérience avec les langues et je me pose une question. Est-ce que ça ne serait pas utile de déplacer un peu le champ d'investigation de la langue vers l'imaginaire? Parce que je peux écrire en français dans un imaginaire purement tunisien, comme je peux écrire en langue française dans un imaginaire qui correspondrait plutôt à ce qu'un français s'attend qu'un tunisien puisse penser, ou qu'un tunisien puisse dire de sa propre société, mais qui correspond à ce moment-là au point de vue du français et non plus au point de vue du tunisien. Je vous invite à réfléchir un peu sur cette dimension-là. Merci beaucoup, Mourad. Une troisième intervention. Bonjour à tous. Neji Benhamida, je suis inspecteur de français et un site de formation. Je vais juste m'arrêter au titre de cette table ronde. D'abord, écrire et éditer, écrivain, éditeur. Le « et » qui fait la jonction des deux paraît unir les deux intervenants de manière simple, fluide, de proximité même, alors que si on est en Tunisie, je peux vous dire que le rapport entre les deux n'est pas aussi évident. Le rapport est complexe, le rapport n'est pas du tout dans la proximité, mais beaucoup plus dans des problèmes qui relèvent des défis de vente du livre par la suite, mais aussi de la proximité de l'éditeur vis-à-vis des écrivains. Je passe ensuite en français, oui, mais on parle très peu en Tunisie du livre scolaire et de tous les livres qui permettent à cette langue de se développer, qui permettent à cette langue d'être pratiquée, d'être améliorée, on va dire. Et un sérieux problème en Tunisie commence à se faire sentir, je l'ai dit hier et je le répète encore aujourd'hui, on est en face de plusieurs champignons qui poussent sur le marché tunisien, de livres en français
qui se font éditer avec des erreurs, qui se font éditer avec des problèmes énormes qui ne font pas du tout du bien à cette langue. Et c'est important de réagir convenablement vis-à-vis de cette situation. Voilà, donc c'est tout ce que j'avais à dire. Merci. Merci beaucoup. On prend une quatrième intervention. Je suis un petit éditeur, mais je me définis en tant que journaliste amateur et lecteur professionnel. Je crois quand on parle de l'édition en Tunisie, en langue française, on ne parle que de fiction, de roman, très peu de poésie et très peu des essais. Je suis en train de suivre la situation de la langue française en tant qu'universitaire à la retraite. La langue française, croyez-moi, fout le camp en Tunisie. Les vrais Français en Tunisie sont les vrais bilingues. Il en reste très peu. Je discute de ça avec mon ami, le grand bilingue Abdelaziz Qassem. Si vous lisez actuellement les thèses à l'université, c'est lamentable. Si vous assistez dans les lycées, vous allez voir des catastrophes. Donc, de temps en temps, il y a un écrivain de langue française qui sort. Je crois que ces écrivains vont être limités aux écoles françaises. Parce que l'école tunisienne, il faut poser cette question. Deuxièmement, c'est la lecture. Actuellement, la lecture. Et le deuxième point, c'est avant, on considérait que l'écriture en langue française, elle permet la transgression. On peut dire des choses en français qu'on ne peut pas dire dans les romans arabes. Actuellement, je lis presque tout ce qui sort comme roman arabe. Le roman d'expression arabe en Tunisie est très transgressif, sur tous les plans. Donc, quelle est la jonction entre l'écrivain arabe, dans la langue arabe, et l'écrivain en langue française? Je ne sais pas. Mais je crois, j'insiste, que la langue française fout le camp en Tunisie. Il faut trouver le moyen de remédier à ça. Hatem, est-ce qu'on peut réagir aux différentes interventions? Juste, on prend la dernière et puis on va faire le tour de table. Ok, ça marche. Juste une dernière intervention. C'est moi? Oui. Nefissa ouais. Wafa Marzouti. J'essaie d'être, c'est-à-dire d'être poète. J'écris poésie et j'écris, c'est-à-dire en essayant de trouver une certaine beauté dans le texte et en essayant également d'être entre guillemets engagé. Parce que c'est pas unique, c'est-à-dire mon écriture n'est pas un article de politique. Mon écriture c'est des vers. C'est des vers courts, brefs, et qui ont leur, bien sûr, signifié. J'écris, je m'approprie des mots. Dans mon dernier texte, c'est La toile aux yeux d'or, c'est pour pasticher la fille aux yeux d'or de Balzac. J'ai essayé de m'approprier des mots, et j'ai également essayé de m'approprier des tableaux, dont l'un est de Madame Samahni. C'est un Garali, et dans le sens que ce texte, ce tableau, cette toile, c'est un poème. On peut le lire. Il y a une lecture. La lecture n'est pas uniquement de la phrase linguistique, du mot, de la métaphore, de tout ça. Mais la lecture également, c'est la lecture de toile. Et là, j'ai fait intervenir, dans mon imaginaire et dans ma façon d'écrire, c'est l'interartialité. Les textes, il n'y a pas de frontières dans les arts. La poésie, c'est également un tableau de peinture. La poésie, c'est également une toile. La poésie, c'est une écriture picturale. Dans ce sens, j'ai essayé de pouvoir faire évoluer mon écriture pour que ça puisse être pas ce que j'ai fait auparavant. Et merci. Voilà, merci beaucoup à toutes et à tous. Donc nous avons eu 5 interventions. Je reviens vers vous tous. On va commencer par Yamen Manari, qui a été interpellé par l'une des interventions. Par toutes. Donc je note que monsieur a du budget pour nous.
et qu'il va pouvoir nous aider à financer notre campagne de visibilité. Et donc, et qu'on a un terrain conquis en Europe avec la diaspora maghrébine, et qui, au qui on devrait être encore plus visible. Il y a des événements qui mettent en valeur la littérature maghrébine. À Paris, par exemple, on va parler du Maghreb des livres de notre ami Georges Morin, où il y a énormément d'auteurs présents, et des noms aussi brillants que Kamel, donc, qui n'est pas du tout un inconnu de la diaspora et des médias français. Et le constat un petit peu amer, mais qu'on a essayé d'inverser en toute modestie, parce que c'est pour ça aussi qu'on écrit et c'est pour ça, pour le partage, c'est qu'au Maghreb des livres, ils se vendent des livres et des baklawa. Et ben, au Maghreb des livres, on vend beaucoup plus de baklawa, de thé, etc., que des livres. Donc, oui, lisez-nous, c'est vous les passeurs. C'est vous les passeurs, non, on ne va pas venir faire la danse du ventre pour essayer d'exister. Et encore une fois, des fois, cette littérature maghrébine n'est pas forcément bien présente dans les médias français. Par exemple, si vous parlez de diaspora, à vous aussi de partager nos livres, de faire en sorte de nous aider. Et aussi, bah, avec les financements que vous avez, on va pouvoir faire des choses. Ensuite, pour le monsieur qui écrit des scénarios, je me demandais si vous avez un personnage dans un de vos films qui est sourd et muet et qui a un dialogue intérieur, en quelle langue vous allez l'écrire ? C'est en fait, et aussi à dire qu'un Tunisien, vous n'arrivez pas forcément à le faire exprimer dans votre esprit qu'en Tunisien. Moi, pour moi, la littérature, c'est peut-être que le scénario, c'est quelque chose de différent, mais pour moi, la littérature, c'est le domaine de la liberté la plus absolue. On a la possibilité de faire tout ce qu'on veut, de coller à la réalité ou de la travestir, de la faire transparaître telle qu'elle est, de la faire mentir. Mais le fait est que dans certains endroits en Tunisie, eh ben, en fait, entre deux Tunisiens, on va parler peut-être avec 20% de Delja et 80% en tunisien. Il suffit de voir les experts économiques qui passent dans les médias, etc. Et ils commencent « Aslam, Aïchek » et après, tout de suite, « Oui, le marketing de tel truc ». Donc en fait, la langue française est mine de rien présente et elle fait partie intégrante même de la Delja qui, là, c'est un autre questionnement sur la Delja tunisienne parce que avant Abdelaziz Laroui, quand il commençait à raconter une histoire pendant une heure, il n'avait aucun emprunt à la langue française, il ne faisait aucun emprunt. Donc la langue Delja, elle a peut-être aussi perdu de sa superbe. Et il faut peut-être aussi s'interroger sur cette langue-là, comme on peut s'interroger sur la langue berbère et la place de la langue berbère en Tunisie, et pourquoi pas. Ensuite, par rapport au fait d'avoir des manuels scolaires à la hauteur, etc., moi, je suis d'accord avec vous, je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire, mais malheureusement, j'ai l'impression que tout ça, toute cette démarche-là académique est beaucoup liée aux États, et moi, j'ai toujours la conviction que le combat culturel va toujours être porté et va être gagné par des initiatives individuelles, personnelles, comme celle de Kamel, comme celle d'Elisabeth, comme celle de Karim, c'est-à-dire essayer de changer la donne à son niveau et pas forcément attendre d'être à l'ombre d'un État qui a toujours été défectueux par rapport aux ambitions culturelles de son pays. Donc merci de faire en sorte que les livres des maisons d'édition auxquelles vous croyez, de les transmettre à tous ces étudiants, à tous ces jeunes, qui, pour aller vers monsieur qui disait que c'était mieux avant, je ne suis pas forcément d'accord parce que j'ai eu la chance d'aller dans des lycées pour faire des tournées dans des lycées tunisiens et pas uniquement des lycées privilégiés. Et croyez-moi, je vous promets que j'ai vu des jeunes de 15 ans parler un français que je ne parlais pas à leur âge et qui m'ont scié, qui m'ont bluffé et qui m'ont fait dire que le meilleur est à venir et le meilleur est toujours à venir. Et madame, continuez à faire de la poésie. Merci. Kamel, c'est à vous. Et il nous reste globalement 10 minutes. Alors, moi, je suis invité en Tunisie, donc je n'oserais pas être franc et répondre d'une manière crue. Mais juste pour dire que, aussi, en Algérie, nous avons ce discours sur ce que j'appelle, moi, les funérailles permanentes de la langue française qui durent depuis l'indépendance.
et que ce n'est pas vrai. C'est une langue qui est là, c'est un univers, c'est une maîtrise, c'est un désir, c'est un imaginaire qu'on pratique. Et je vous le disais tout à l'heure, autrefois, j'avais la prétention d'être intelligent et de réfléchir à des réponses très intelligentes. Maintenant, je suis beaucoup plus modeste. Je crois à l'engagement immédiat. Je crois qu'on peut changer. Nous sommes, en Tunisie comme en Algérie, nous avons cette tendance à attendre les grandes politiques qui se justifient, parce qu'il y a des gens qui sont payés pour justement penser à l'avenir, l'imaginer, etc. Mais sachant les défaillances qui traversent tout le Maghreb et tout le monde dit arabe, c'est que depuis quelque temps, j'attends plus de moi-même que des États ou des autres. Donc j'imagine des solutions immédiates. Pour le reste, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Moi, je crois que ce que m'a dit un syndicaliste algérien il y a 20 ans, et c'est une phrase qui m'avait bouleversé. Vous savez, on avance dans la vie par petites phrases, souvent. Et je lui parlais à propos de quelqu'un qui a adhéré à une action et puis qui nous a fait faux bond par la suite. Et il me disait, Kamel, c'est l'action qui fait la décantation. C'est l'écriture qui fait avancer. On écrit des livres, il y a des lecteurs, il y a des éditeurs, il y a des gens qui en débattent, et c'est ainsi qu'on peut faire changer les choses. On peut aussi, on a le droit de réfléchir sur les défaillances, sur les échecs, sur ce qu'on a perdu, sur ce qu'on est en train de perdre par rapport à d'autres, mais je n'aime pas le déclinisme, je n'aime plus la sinistrose. Je pense que nous avons le droit d'écrire, l'envie d'écrire en français, même, je suis désolé pour le mot, et nous avons aussi le droit de ne pas y croire. Nous avons aussi l'envie d'éditer des livres, alors que ce n'est pas rentable, ce n'est pas économique, comme disait Karim, mon ami Karim. Mais en même temps, c'est exaltant, ça permet de rencontrer, ça permet de... J'ai l'impression que la littérature résout, c'est ce qui résout le plus, après l'amour, la question de l'altérité. C'est ce qui nous guérit le plus, c'est ce qui préserve le côté universel de ce que nous pouvons penser du monde. Donc, je ne vais pas plaider la cause de la littérature. Je pense qu'elle est entendue et que tout le monde le sait. Donc, écrivant, lisant, éditant et continuant à le faire malgré tout le reste. Merci. Elisabeth. Juste un mot. Je suis bien sûr d'accord avec toutes les interventions. Et je pense qu'en tout cas, au niveau de l'édition, nous, en Tunisie, nous avons créé la Fédération tunisienne des éditeurs. C'est-à-dire qu'on est acteurs de ce qui peut faire avancer notre métier. Mais où je suis un peu plus nuancée, c'est que sans les pouvoirs publics, à un moment, on ne peut plus avancer. C'est-à-dire qu'on a beau se battre, et je crois que nombre d'entre nous le faisons, à notre niveau et au niveau même, on va dire, national, politique, auprès des instances. Mais si en face, il n'y a pas de répondant, si on est complètement ignoré, on va rester à faire ce qu'on fait le mieux possible, mais avec beaucoup d'amertume. Et on peut regarder l'histoire du livre et de l'édition dans d'autres pays. Sincèrement, c'est parce qu'il y a eu des grandes volontés politiques. Je pense à la France avec Jacques Lang et toute son équipe. Je pense au Québec, où on a rencontré ces jours-ci nos amis québécois. Il y a une vraie politique de la défense de la langue française, parce que pour eux, c'est primordial par rapport à la langue anglaise. Et les moyens sont mis pour aider, accompagner, défendre les métiers du livre. Donc, bien sûr qu'on n'arrête pas de se battre et d'agir et de faire entendre nos voix. Mais il y a un moment, ça ne peut pas aller plus loin. Merci. On va terminer avec Karim Bensmaïl. Il nous reste en tout 4 minutes. Oui, je voudrais réagir sur la mauvaise qualité de certains livres qu'a évoqué un intervenant. Et il a parfaitement raison. C'est vrai que si nous lisons des livres mal faits, mal écrits, mal corrigés, mal relus, effectivement, on ne peut pas s'attendre à ce qu'il y ait des Yamel Menaï dans les prochaines générations ou autres. C'est un vrai problème et vous avez raison de le soulever, et c'est un problème de politique culturelle en Tunisie. Il faut savoir, et le grand public ne le sait pas, c'est qu'en Tunisie, nous avons des mécanismes d'aide à l'édition qui sont valables, qui fonctionneraient bien s'il n'y avait pas de problème. Or, depuis, disons, une quinzaine d'années, l'argent qui est mis
par l'État pour créer un tissu éditorial qui tient la route en Tunisie, aussi bien arabophone que francophone, que même anglophone, parce que le ministère de la Culture tient aussi à ce qu'il y ait plusieurs langues qui soient pratiquées en Tunisie, cet argent-là est totalement détourné, je dis bien détourné, par des margoulins. Comment ? C'est pas un problème de transparence, c'est un problème l'État donne à la culture une place ridicule. Depuis 10 ans, depuis l'indépendance, oui, enfin, depuis notre deuxième indépendance. Et je suis bien placé pour le savoir, le ministère de la Culture est le dernier ministère attribué. Et généralement, bon, puisqu'il faut mettre une femme, et ensuite, on va se battre sur ce système-là. Vous vous souvenez tous de la bagarre entre le Premier ministre et le Président sur qui va être ministre de la Culture. Et on a fini avec un monsieur qui avait beaucoup de mérite, puisqu'il était non-voyant, mais il n'était pas compétent pour être ministre de la Culture. Lui-même n'en voulait pas, il est resté 3 mois. Entre-temps, pendant ces 3 mois-là, la culture, et le livre en particulier, ne sont pas gérés. Après ça, ce ministère de la Culture a été mis sur les épaules du ministre du Tourisme, qui visiblement est dépassé par les problèmes du tourisme. C'est énorme ce qu'il a sur son bureau. Le livre, le cinéma, le théâtre, c'est impossible. Donc aujourd'hui, personne ne vérifie. Et il n'y a pas un patron qui dit l'argent que j'ai mis, on parle de plusieurs centaines de milliers de dinars deux fois par an, ce n'est pas contrôlé. Les directeurs généraux de la culture ne sont pas protégés par leur ministre parce qu'il y a un où il n'y a pas de ministre, où le ministre est sur siège éjectable, et donc ils sont sujets à des manipulations, à des pressions qui font que moi je suis directeur général du livre ou je suis directeur de la lecture. Si mon ministre ne va pas me soutenir, s'il n'est pas là pour rester, s'il n'est pas fort, s'il ne défend pas les intérêts de l'État et du lecteur, eh ben, je suis fragile. Le moindre type qui va passer à la télévision, parce qu'aujourd'hui on peut passer dans les médias, on a cette liberté-là et on l'a gardée, pour dire des âneries, pour dire des choses qui sont fausses, personne ne va me défendre et je risque de perdre mon poste. Voilà pourquoi aujourd'hui nous avons créé avec Elisabeth et d'autres collègues cette Fédération tunisienne des éditeurs. Pour essayer de moraliser l'apport de l'argent public sur l'édition, qui est indispensable. Et elle a raison. Il n'y a pas d'éditeur dans un pays s'il n'y a pas d'intérêt politique et financier pour soutenir les éditeurs, pour soutenir les vrais éditeurs. Aujourd'hui, l'État fait un effort, met de l'argent. Cet argent ne va pas là où il faut. Alors, je sais que c'est un langage digressif, mais ça fait 3 ans qu'on se bat. Ça fait 3 ans qu'on n'a pas un ministre qui dure plus de quelques mois ou alors qui s'occupe de ce problème-là, la plupart des ministres. C'est compliqué, l'édition. Hein. L'édition, c'est compliqué. Le théâtre, c'est compliqué. Le cinéma, c'est compliqué. Il faut de l'argent de partout. Vous êtes ministre de la Culture et vous n'êtes pas très, très, très... Vous avez envie de rester ministre de la Culture. Je ne touche pas. Donc, je ne touche pas, ça veut dire que l'édition n'avance pas, que les éditeurs se dérouillent tout seuls avec des moyens ridicules. Je ne vous parle pas des jeunes éditeurs qui commencent, qui n'ont pas de moyens, qui sont des one-man shows, qui font des choses merveilleuses. Abdelkrim Gabous, tout à l'heure, a dit l'éclosion de ces jeunes éditeurs qui publient soit en arabe, soit en derge, avec des choses intéressantes. Et le public est là, il est au rendez-vous. Mais l'État n'est plus là. Parce que l'État culturel n'existe pas chez nous. Voilà. Merci beaucoup. Alors, en notre nom à tous, je voudrais remercier, s'il vous plaît, Si Yahya, je vous en prie, vous n'avez pas demandé la parole, et le temps est terminé de toutes les manières. Merci à toutes et à tous pour la qualité de l'écoute et de la participation. Merci à vous, et nous allons poursuivre les autres rendez-vous.